comme s'il ne l'avait pas, tellement il va vite et il lui fait changer de direction quand il veut, comme il veut. Oh là là, attention, oh là là, Boumsong. Oh Boumsong, Boumsong est Boumsong à la but. Mais c'est pas possible, le score de Tchenard. But pour la Tunisie, quel joli but. Quelle erreur de Boumsong, joueur du Racing Club de Lens. Et de Mandanda, et de Mandanda. Oh, deux énormes erreurs. C'est énorme. Joueur du Racing Club de Lens qui marque son septième but. Puisqu'on parlait des tirs, c'était le sixième tir de cadré avec une succession d'erreurs. On va le revoir dès le départ, mais ici sur une touche avec Jean Boumsong qui n'attaque pas le ballon. Gemma qui se fait ensuite et puis cette frappe à angle fermé, on se souvient que tout à l'heure c'était très très osé de la part de Ben Kalfala, je crois, tout à l'heure. Et cette fois-ci, il n'y a pas de deux énormes erreurs. Et au tableau d'affichage, la Tunisie mène 1-0. Oui, oui. Et bien voilà, maintenant, ça fait beaucoup. Il va falloir se réveiller côté français. Centre de Félé. La reprise. Ouh là 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 là. Eh mais chaud comme il est. S'il arrive chaud, à claquer, mais chaud c'est... comme il est, Gemma, il peut tout tenter. Hein. Allez Henri, l'accélération. Il y a de l'espace là. Là il y a de l'espace. Et Gorkuf, Henri, une deux. La fin d'Henri. Oh là là. Là il y a de l'espace. Quelle action française avec ce relais. Henri Gourcuff et cette frappe somptueuse, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique, le départ de l'action, l'accélération, le 1-2 et la frappe enchaînée, il n'y a rien à dire, 40. Regardez, Gourcuff qui vient en soutien à gauche, 1-2. La remise est parfaite, hein. La remise est parfaite et l'exécution également, c'est un 1-2 de laboratoire. Oh que c'est beau. Ça va très vite et c'est en plus pleine lucarne de Matluti. Son 47e pour sa 107e sélection. Les statistiques de Thierry Henry. 47 buts en équipe de France. Positionné sur le côté droit. Fanny. Dans la Boumsong. Il ne va pas tomber sur le plus manché. Avec Mikari devant lui, Atem Ben Arfa. Ben Arfa. Ouais, bien joué. Trouve Gourcuff. Benzema. Dans la surface, le centre. Hop. Et le but. Deuxième but signé Thierry Henry. Une nouvelle fois servi. Attention. Par Johan Gourcuff. Et je pense qu'il arrive de très loin. Il arrive très vite, Thierry Henry. L'équipe, attention, parce qu'il y a Ressel qui est resté au sol. Ouais, qui s'étire la jambe. Ouais. Alors qu'au départ, c'est encore. Il y a bien sûr Atem Ben Arfa, mais il y a après Gourcuff. C'est Atem Ben Arfa qui fait cette belle passe là d'ailleurs. Gourcuff, hein, qui décale qui Benzema. Fait le décalage, ouais. Regardez Thierry Henry en haut. Hein. Il est pas en jeu. Non. Il est pas en jeu. Je pense pas. Benzema. Il faudrait sur la frappe de. Si on peut, c'est une passe décisive de Gourcuff. Il ouais. Faudrait presque arrêter au moment où Gourcuff frappe le ballon. Enfin, en tout cas, monsieur Guenoff, lui. Il me semble le départ de Fanny. Gourcuff. Ah, un dégagement. Oui, ah, bien joué. Allez, Fanny, peut-être le centre, contre les mains. Elle est involontaire, l'arbitre laisse jouer la récupération, la frappe à la but. Oh quel but signé Karim Benzema. Et quelle, quelle frappe. Magnifique frappe qui vient sans doute d'une grosse erreur de la défense qui relance dans l'axe. Son cinquième en équipe de France, et là encore c'est une frappe très pure. Allumée par Karim Benzema de l'extérieur de la surface de réparation. Eh, c'est sympa de le voir avec Atem Ben Arfa d'ailleurs au départ, ce plan-là. Au départ, Fanny fait un gros travail. Oui.
Et ce ballon, Agui fait une très mauvaise relance. Et là, plein axe. Et celle-là, c'est bien joué. C'est bien joué de la part de Fanny. Ancien milieu de terrain, reconverti arrière d'ailleurs, Rod Fanny. Il se bat jusqu'au bout. La mauvaise passe est derrière. Et Félix qui laisse passer ce ballon. Et derrière, sanction immédiate.